Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Vlad. Donc, merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à chez moi. Pour ceux qui ont reconnu le décor, c'était l'ancien décor avec l'interview de Romain Chat. Du coup, l'interview va se découper en trois parties. Donc, une partie de ta présentation de toi et ta collection. Une partie qui va être vraiment le thème central de cette interview, qui va être la population des items Wizard, parce que tu es vraiment spécialisé dans Wizard. Peut-être du BlockX si tu as quelques connaissances. J'ai assez peu de connaissances sur le BlockX. Ouais. Je préfère pas me mouiller. Ça marche. Et la dernière, ça va être la réponse aux questions de la communauté, tout simplement. Parfait. J'ai fait un petit post sur les groupes où tu es identifié. Et j'ai vu quelques questions plutôt marrantes. Voilà, exactement. Donc, il y a quelques questions marrantes, il y a des questions aussi sérieuses, évidemment, ouais. Parce que j'ai pas pris que les marrantes. J'ai eu aussi d'autres questions par message privé, donc tu n'as pas tout vu sur la publication. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses. Stylé. Donc du coup, on va commencer par la première question. Du coup, bah, présente-toi, qui es-tu? Alors, mon pseudo, c'est Vladimir. Je ne vais pas donner mon identité tout de suite. Voilà, je suis collectionneur depuis 2013, donc je suis vraiment un vieux, en fait. Je collectionne quasiment que le Wizards. Je fais un peu d'ex, même si ça représente moins de 5% de ma collection, en fait. Je collectionne surtout les stars. Ouais, les plus beaux. Voilà, le plus beau, le plus chiant aussi, mais voilà, c'est... Mais je suis spécialisé. Le cœur de ma collection, c'est le Wizards français. Je fais aussi du Wizards US, mais finalement moins. Je m'intéresse au gym, parce que c'est des séries qui ont vraiment un charme particulier, le fait d'avoir le dresseur associé, voilà. Je fais aussi le Skyreach, parce que c'est la toute dernière série Wizards. Mais autrement ça, non, je fais principalement du français, et voilà. C'est à peu près... Voilà. Et puis, si, j'ai 31 ans, donc oui, je suis vieux et je vous emmerde, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup plus vieux dans la communauté rassurée. Oui, je sais. Heureusement. Et comment es-tu rentré dans la collection Pokémon? Alors, c'est débile, mais c'était en 2012, où j'ai ma nièce qui a fêté sa communion. Et son petit frère, qui devait avoir quelque chose comme dans les 8 ans, m'a montré ses cartes Pokémon à l'époque. Et je pense qu'on devait être en 2012, on devait être au platine ou au début noir et blanc, je sais pas ouais, trop quoi. Comme ça, ouais. Et quand j'ai vu ces horreurs, je me suis dit, attends, non mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et je me suis, en fait, pour le cadeau de la communion de ma nièce, je lui ai offert 3 boosters Wizards, en fait, du set de base Jungle et Fossil. Et littéralement, je pense que j'ai plus kiffé qu'elle à ce moment-là, lors de l'ouverture. Et c'est comme ça, finalement, que je suis retombé dedans, quoi. Alors, j'y suis pas retombé dedans à fond tout de suite, mais je commençais à m'y intéresser. Et finalement, au fur et à mesure que je regarde des vidéos, enfin, que j'ai regardé des vidéos, que je me suis intéressé vraiment au phénomène Pokémon dans l'ensemble. Et j'ai cherché en fait à retrouver la collection de mon enfance par nostalgie, pure nostalgie, et c'était que du Wizards. Donc du coup c'est comme ça que je suis repassé à fond Wizards et à fond à la recherche de ces cartes qui ont fait toute mon enfance en fait. Ok, tu collectionnes Master Set, donc édition 1 et ouais. Édition 2 Non. Alors ouais, bizarrement, pour l'ex, je fais les Master Set. Ouais. Dans les séries où il y a des stars, mais pour le Wizards, non, je fais uniquement l'édition 1. À l'époque, je faisais le Master Set pour collections, les e-series, Expedition, mm-hmm. Aquapolis, Skyreach, mais je me suis séparé de toutes mes Reverse, ou quasiment, enfin une grosse partie de mes Reverse, en tout cas j'en ai plus une en Skyreach. Enfin voilà, donc non, je fais pas le Master Set pour le Wizard, pour l'Egg, je le fais quand je peux le faire. Ça marche. Du coup, t'as repris en 2012, je pensais que t'as repris beaucoup plus... Plus tard plutôt, non, ah, plutôt, plus... Ok, non, j'ai vraiment repris en 2012, j'ai mis à peu près un an avant vraiment de passer en mode hardcore, entre ouais. guillemets. Et je suis vieux, mais pas tant que ça comparé à certaines personnes que je risque de citer au fur et à mesure de l'interview. Ça marche. Du coup, il y a d'autres questions qui vont être en rapport avec le stock que tu as pu avoir, ouais. ou ce que, etc. en fin d'interview. Du coup, on va passer à la question suivante qui est le plus bel item que tu as vu. Il est là. Il est là. C'est vraiment... En fait, c'est comme je l'ai dit dans le post que j'ai fait sur Facebook, c'est clairement l'item qui m'a fait switcher, en fait.
Je suis passé d'une collection où j'y passais pas trop de temps. Si je voyais un truc qui m'intéressait ou une carte qui me rappelait un vrai souvenir, je replongeais dedans. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble en fait et j'ai fait, ça, je veux ça. Je veux ça à terme. C'était l'objectif ultime. Et pourtant, au moment où je vois la vidéo de Teddy, qui finalement c'était le premier à avoir ce type de display, je connexionnais pas du tout le scellé. Mais je faisais pas du tout le scellé. Mais l'item m'a parlé, il a ravivé des souvenirs et voilà. C'est vraiment pour moi le plus bel item que j'ai jamais vu et que j'ai jamais eu. Ok, parce que c'était du coup Exactement. essentiellement. Et voilà. Ouais, c'est vraiment un accomplissement de la collection. J'ai mis littéralement 5 jours avant de me reposer au moment où j'ai reçu cet item. Je buguais. En fait, j'avais un sourire béat. Ma nana, elle comprenait absolument pas pourquoi je souriais alors que. Ah, il est beau, hein, putain. Voilà. Et donc, ouais, c'est un item incroyable. Et le fait de le posséder et de l'avoir. Enfin. Que ce soit vraiment le mien, ça a été incroyable. Et ouais, c'est le plus bel item que j'ai jamais vu. Et du coup, c'est celle qui vient de Le Bon Coin, on est d'accord. C'est celle qui vient de Le Bon Coin, exactement. On va pas parler prix parce que c'est pas du tout le sujet. Du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, Yes. qui est vraiment le thème principal de cette vidéo, qui est la population des items Wizard. Du coup, on va y aller crescendo, on va y aller Ça par marche. série. Donc, on va commencer par le set de base jusqu'à. Moi, je suis parti jusqu'à à peu près Destiny. Ok. On pourra y aller jusqu'à Ok. Expédition Aquapolis, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé lorsque j'ai écrit les questions. Du coup, on va commencer. À combien estimes-tu la population de display set de base édition 1? Là, c'est une question un peu difficile parce que je sais qu'il y en a beaucoup en circulation. C'est assez compliqué. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont plus de 5. Donc ça, c'est qui ont donc un stock. Conséquent de display scellé. En fait, depuis 2016, j'ai pas les chiffres là tout de suite, j'ai pas le souvenir, mais depuis 2016, où je suis à peu près la courbe, il y a en moyenne entre 5 et 12 displays, set de base édition, qui pop du côté des États-Unis. Ok. Il y en a, je pense, la moitié qui sont ouvertes. Ok. Mais si on part de 2016 à 2020 sur une dizaine de displays par an, ça fait au minimum une cinquantaine de displays qui ont pop du côté des États-Unis. Facilement une bonne moitié qui sont ouvertes. Donc il y en a déjà 20 sur, et après il y a tout le stock que possédaient les Français, avant même de pas. Enfin, stock qui n'a rien à voir avec le stock américain. Et donc franchement, si je devais donner un nombre, je pense qu'on serait entre 50 et 100. Mais plutôt proche de 50. Ok. Voilà. Mais il faut savoir que la display set de base, c'est clairement la display Wizards qui a été le plus ouverte. Hein. Que ce soit sur YouTube, que ce soit en privé ou quoi que ce soit, il y en a au moins une cinquantaine qui ont été ouvertes. Hein. Bah là, déjà, je sais pas, tu vas en avoir 5 entre. Personnellement, j'en ai ouvert deux. Déjà. Je crois entre 2018 et 2020, je crois que j'ai dû voir ouais, 5-6 displays qui ont été ouverts déjà. Ouais. Non, Et non, ouais, c'est. c'est la display historique, c'est ce qui explique son prix, elle est incroyable, mais c'est pas vraiment une display rarissime, c'est juste une display à avoir quand on collectionne le CD bizarre. C'est par là où tout commence. Ça marche. Et du coup, on est deux, parce que je sais qu'en édition 2, elle est beaucoup, beaucoup moins fréquente. Ouais, alors, en fait, c'est un peu con, mais je me suis mis à l'édition 2. Plutôt tardivement, Ouais. même très tardivement, savoir au début de cette année. Donc j'ai pas forcément les meilleures infos là-dessus, mais je pense qu'actuellement, la display set de base édition 2, il doit y en avoir moins de 5 en scellé. Je pense pas plus de 5. Pas plus de 5. Mais peut-être que je me trompe. Mais j'imagine mal. Là, j'ai une bonne idée des gens qui possèdent ces displays-là. Je pense pas qu'il y en ait plus de 5. Mais si on a 5, c'est très bien. Si on a 10, je serais très surpris, par exemple. Très très surpris. J'ai vu que tu en avais acquis une. J'en ai, exactement, j'en ai C'est ça. acquis une. C'est clairement pas une display fréquente. En plus, il me semble
que Romain en a ouvert deux, mais je... Point d'interrogation. Hein. Au moins sur... une ouais. sur... Donc voilà, donc finalement, en fait, déjà, la quantité de displays, cette de base édition 2, était très basse. Et s'il y a des gens qui ouvrent ça de à gauche, à droite, bon, je pense qu'il n'y a que Romain qui a ouvert ça, mais je pense que ouais, la population est de 5 au maximum. Ok. Combien estimes-tu la population de Blister, cette de base édition 2? Oh, plus d'une centaine. Une centaine? Plus d'une centaine. Si je dis pas de bêtises, il y a un stock monstrueux qui est sorti il y a pas longtemps sur le Bon Coin. Ouais, il y a un stock en tout cas qui est très connu par une personne dans la communauté qui a un stock immense. Je pense qu'on fait référence à la même personne. Je connais pas son nom ni son pseudo finalement, mais je suis quasiment certain que cette personne en possède une bonne cinquantaine et que à gauche, à droite, il y en a facilement, il y en a un bon stock aussi. Alors, j'ai entendu plus de 200. Moi. Ah ouais, voilà. Donc voilà, ouais, quand je dis plus d'une centaine, ouais, je pense qu'on. Donc t'as des infos que j'ai pas finalement. C'est l'édition 2. Ouais, c'est de l'édition 2. Mais n'empêche que. C'est très marrant de se rendre compte que finalement, les blisters, c'est littéralement incomparable en termes de population par rapport aux boosters en loose. Où vraiment les blister édition 2 sont 10, 15, 20 fois plus fréquents que les blister édition 1, alors que c'est exactement l'inverse pour tout ce qui est display et tout ce qui est booster en loose. Et ça vraiment c'est surprenant. C'est vraiment très surprenant. Et du coup en blister L1, est-ce que tu entends ça? Je collectionne pas le blister L1, mais là... Là honnêtement j'ai aucune info là-dessus, c'est pour ça. Pour le coup je pense qu'il y en a moins de 50. Ouais, moins de 50. Je sais qu'il y en a quelques personnes qui les collectionnent, mais moi je j'imagine pas qu'il y ait une centaine de boosters, moins de 50 pour moi. Enfin, après faut bien qu'on sache que là on parle d'items connus. Hein, pas exactement, d'items, exactement. On parle bien vraiment d'items connus où on a vraiment une source et on peut même contacter les possesseurs finalement de ces items-là. Il y a certainement quelque part dans une cave ou dans un grenier un mec qui stocke des trucs incroyables et ça pour le coup on le connaît pas. Ouais, donc j'ai oublié de le préciser au début, mais toute cette partie là va être basée sur des items connus, hein, pas sur des items parce que voilà il peut avoir un stock, ça se trouve ça il y en a 6 qui se cachent dans un carton. Exactement, on peut pas donner des infos qu'on n'a pas. C'est ça, exactement. Prochaine question, à combien estimes-tu la population de display deck 7 de base? Je sais que t'en as acquis display deck. Ouais, une display moins, deck. Moins de 10. En CD? Moins de 10 en CD. Tout dépend si on parle des decks à thème ou des decks découvertes. Découverte, c'est avec ma poignard, c'est exactement. Ça. Et les decks à thème, ma question n'était pas aussi spécifique. Aussi, d'accord. Spécifique, mais si t'as la réponse pour les deux, enfin la réponse, une réponse approximative. Je évidemment. Pense qu'il y a deux fois plus de deck de display deck découverte que de display deck à thème. Okay. Ça, c'est un avis perso. Et je pense que pour les display deck à thème, il y en a moins de 10. Ok. Il y en a moins de 10. En fait, je pense qu'on serait plutôt autour de 5. Si je devais donner un chiffre, je pense qu'on serait plutôt autour de 5. Et encore, à l'intérieur, entre 3 et 7. Il y en a 3 minimum, sûr et certain. 3 minimum, ça c'est sûr. Probablement, enfin certainement plus. Mais encore à l'intérieur des displays deck à thème, et même pour les displays deck découverte, il y a des petites nuances. Parce qu'on peut savoir, exactement, avec la pastille ou sans la pastille. Et il me semble que c'est en dessous du... exactement, cet encadré-là, carte à jouer et à collectionner. Bah c'est magnifique. Il y a tout ici, il y a tout en vidéo. C'est exactement. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand il y a marqué carte à jouer et à collectionner, on est sur du display deck avec pastille. Et quand il y a marqué jeu de cartes, quand ça commence pas, non pas par carte à jouer, mais par jeu de cartes, il me semble qu'on est sans pastille. Mais ça, encore une fois, je dis peut-être une connerie, c'est peut-être l'inverse. J'ai pas révisé mon Pokémon avant de venir. Je sais, Pokémon nuance déjà. Mais si, tu peux savoir s'il y a des pastilles, s'il y a la pastille ou s'il n'y a pas la pastille, rien qu'en regardant l'encadré en fait. Ok, je ne savais absolument pas. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, c'est exactement les deux nuances que va y avoir sur les display decks.
pour savoir si on est sur la pastille ou sur ou s'il y a la pastille ou s'il n'y a pas la pastille. Et c'est très, j'ai jamais fait attention. Et c'est très marrant de voir que il y a que Neo, y a que Neo Discovery finalement qui présente ça, alors que toutes les autres cartes à jouer. Et voilà, ouais, tu vois, carte à jouer sur les displays, sur les decks du set de base, par exemple, j'en montre un en vidéo. Carte à jouer, on retrouve pas la pastille, parce que non, il me semble que la pastille est collée directement sur les decks et non pas sur le plastique. Okay. Et donc, carte à jouer, on est sans la pastille, donc c'est bien quand il y a marqué jeu de carte à jouer qu'on est avec la pastille. Enfin, Faut que je vérifie cette information, faut que vous vérifiez cette information, faut jamais croire les gens d'interview. Non, mais faut jamais prendre pour acquis ce que les gens disent en fait. Ok, on va passer à la prochaine question qui est: à combien estimes-tu la population de displays fossiles en édition 1 et en édition 2 en édition. C'est marrant parce que c'est les premiers messages qu'on s'était échangés. Puis exactement. Je t'ai dit, on peut faire une interview. Ouais, non, mais en édition 1, je crois qu'on est 5. Ouais. C'est ce que tu m'avais dit, je crois que c'est la seule. Je veux pas donner les noms parce que c'est une information que les gens veulent pas forcément De toute façon, connaître. Je le saurais biper. Mais ok, d'accord. Ouais. Il y en a. Pour moi, il y en a 5. Okay. Pour moi, il y en a 5. Et actuellement, si je dis pas de bêtises, il y en a que 2 en édition 2, ce qui est aussi assez rigolo. Et là, je pense que je peux dire que bah, j'en possède une, et je pense que je peux dire aussi que Romain en possède une. Ça marche. Combien estimes-tu la population de displays Rocket en édition 1 et en édition 2? En édition 2, c'est j'en avais ouvert une avec ouais. Romain d'ailleurs. Sacrée ouverture. C'était fou à dire. Et du coup, quand on avait fait la vidéo, il en restait 3, il disait. Après, j'ai entendu une autre info où il en restait 5, les displays édition 2, hein, je parle. Pour l'édition 2, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a eu finalement pas mal des displays Rocket édition 2. Je pense qu'il y en a eu entre 5 et 10 facilement, ouais, qui sont passés de main en main. Je sais qu'il y en a au moins 2 qui ont été ouvertes, dont celle de Romain. Il y a... Ouais, entre 5 et 10. Est-ce que... 3, ça me paraît être le minimum. En plus, il me semble qu'il y a un Belge qui en possède une. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Mais voilà. Non, on est quand même sur de la display bien rare en édition 2, 5. Et concernant l'édition 1, il y en a une. C'est un peu compliqué. Okay, et voilà. Mais il y en a une, il y en a peut-être une deuxième. Voilà. Prochaine question, à combien tu estimes la population de blister Neo en FR, les 4 séries? Que ce soit édition 1. Ça, faut demander à Romain. Non, Romain est probablement le mieux placé parce qu'il doit posséder le plus de blister. Il doit y en avoir 8, il me semble. Teddy, corrige-moi, mais il me semble que tu en as récupéré 8 des Neo Révélations. Ouais. De mémoire. Je crois qu'il en avait aussi récupéré quasiment 8 pour du Neo Destiny. Ouais. Et Romain est le seul, si je dis pas de bêtises, à avoir les 4 Neo Discovery et les 4 Neo Genesis en blister. Alors Genesis, je sais qu'il y en a un qui a pop il y a pas longtemps sur les groupes, un Meganium je crois. D'accord. Et en blister. Ouais, en blister. En français évidemment. Et il a été revendu et c'est une des personnes que tu as citées qui la possède. D'accord. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai une question d'ailleurs que on va remonter un peu dans fossiles, pardon. Ouais. Combien de blisters fossiles il y a à peu près en circulation? J'ai entendu 5-6. 5-6, c'est pour moi un bon chiffre. Moins de 10 sur un 100%. Ouais. Romain en a... les 3 illustrations, je possède une illustration, hein, le classe. Je sais qu'il y a eu 2 autres illustrations qui ont pop Teddy récemment. Ouais, et un autre aussi. Et oui, et voilà. Je vais pas dire de nom. Donc ouais, je pense qu'on doit être sur 6, 7 ouais, peut-être. Ouais, voilà, moins de 10 en tout cas. C'est vraiment une série rarissime en blister. Ouais. Et même si je collectionne pas le blister, quand j'en ai vu un sortir,
je me suis posé la question, écoute, ça peut vraiment être un item sympa ou alors un potentiel item fort en termes de trade. Donc c'est pour ça que j'ai acquis mon illustration Loclass. Ça marche. On va rentrer dans les questions très sympathiques. À combien tu estimes la population de Display Genesis en édition 1 ou en édition 2? Alors, tout dépend si la vidéo sort avant le 20. Elle va sortir après. Elle va sortir après, ben du coup plus qu'une. Normalement plus qu'une. À moins que quelqu'un se décide à acheter la display complète de Romain et Fuji, mais en vrai je pense qu'il n'y a pas de Français qui sont en mesure de mettre un montant qui doit tourner entre les 70 et les 100 000. Donc voilà, donc non, je pense que Romain est le seul possesseur de la seule display de Genesis Edition 1. Et il aura fait plaisir quand même à pas mal de monde avec Muji sur leur ouverture de la deuxième. Et du coup, il n'y en a pas en édition 2 de connu. C'est ça. Et ça, sans déconner, c'est mon Saint Graal. Ah ouais? T'as Non, pas mais retrouvé? alors personnellement, oui. J'ai la Destiny, j'ai la Discovery, j'ai la Révélation. Donc si jamais quelqu'un a une Genesis Edition, coucou! Fais grand plaisir. Si ça peut t'aider à C'est trouver. ici que ça se passe, voilà. Non, ce serait absolument incroyable de choper la Genesis en édition 2. C'est le premier en plus. Oui, ce serait premier, mais c'est même pas forcément ça. C'est vraiment avant les 4 displays Neo. Je ne veux pas dire que la Genesis Edition de Romain ne m'intéresse pas du tout, c'est pas vrai, c'est une display. C'est incroyable. Mais le fait d'avoir déjà 3 displays en édition 2, Ouais, ça je me dis. casse. Ça, ouais, c'est con à dire, mais tu préfères avoir genre 4 PS à 9 que parfois 1 PS à 10 et 3 PS à 9. C'est juste dans l'esprit, quoi. Et Ah non, donc, mais je vois totalement ce que tu veux dire. c'est pour l'homogénéité. Et donc, ouais, vraiment, je serais plus intéressé sur l'achat d'une Genesis 7.2 que sur une Genesis 7.1. Bah écoute, avec peut-être de la chance avec le On croise les premier. doigts. Non, mais c'est juste pour cette Genesis L2, c'est quand même incroyable parce que pendant des années, on a cherché du Neo Eden, vraiment des années. Alors, on en a trouvé avant cette fameuse display, mais très très peu. Et au moment où on en trouve, c'est sous forme de display édition 1. Et la même série, il doit y avoir soit une centaine quasiment probablement de boosters Neo Genesis en édition 2, mais il n'y a pas une personne qui possède une display de Genesis 7.2. Et c'est incroyable, parce que en termes d'édition, le Genesis 7.2, ça a été. Dans le temps, ça dure quasiment 6 mois. Pareil pour le Genesis 7.1, en fait. Donc, il y a eu des moments de recoupement d'ailleurs. Mais ça, on pourra en discuter après. Genesis, ça a duré d'avril 2001 à janvier 2002, si je dis pas de J'avais 5 bêtises. ans au moins. Voilà, donc. Et moi, pour revenir sur Genesis 7.1, enfin sur l'édition 1, moi, si j'ai redémarré ma collection, le gros potentiel de trade que j'avais à l'époque où j'ai repris, c'est parce que j'avais 5 séries complètes de Genesis Edition 1. Et j'en prenais relativement soin à l'époque, vu que j'avais quoi? J'avais 13 ans, 12-13 ans. Donc, j'étais plus à l'âge de balancer les cartes contre les murs. Donc, j'en prenais soin. Et concrètement, ça m'a vraiment servi pour rentrer dans la collection où j'avais finalement un peu de matos. Voilà. Et Genesis Edition 1, ça a été la base, finalement, la base de ma collègue, quoi, au départ. Tout Ça au début. marche. Et du coup, en display Discovery, combien il y a de pour toi, il en existe combien? En français, hein, toujours. 4. 4? 4. Ça marche, on va pas citer de nom, comme toujours. Révélation, du coup. Ben, du coup. Y en est là. Alors, il y a eu tout un débat au moment où j'ai sorti cette vidéo, mais pour l'heure, il n'y a jamais eu de photos ou de vidéos faites pour plus de deux displays, en fait. Donc, ça, c'est une des deux. Romain, la deuxième, c'est celle qui vient de Teddy, qui vient d'un Allemand, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, ce display-là aussi vient d'Allemagne à la base. Et du coup, il n'y a jamais eu d'autres sources pour
pour les displays néo-révélations. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, encore une fois, mais là, les displays connus avec certitude où on a une preuve de leur existence, pour moi, il n'y en a que deux. Ok. Il peut y en avoir six. Oh, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, on parle vraiment de systèmes connus avec... Exactement. Et les gens peuvent vouloir aussi rester discrets, mais généralement, la discrétion sur ce type d'item, c'est assez compliqué. Mmh. Surtout quand on est un gros collectionneur. Puis, en général, quand on a ce genre d'item, on n'est pas... on est... Alors, c'est vraiment des collectionneurs fantômes, ça existe. Et je suis sûr que ça existe. Mais sur ce type d'item, j'ai quand même du mal à le croire qu'il y en aurait quasiment une demi-douzaine, quoi. J'y crois pas. Ok, ça marche. Et du coup, bah, la dernière série de Neo, qui Destiny. Est Destiny, combien à peu près Alors Destiny, c'est pas mal de questions dessus, finalement, parce que la personne qui possédait un stock de display Destiny, on peut pas savoir c'était quoi son stock, on peut pas savoir si elle en a toujours en stock. Elle en possédait au moins 4. Si je devais m'avancer, je dirais 7. Ok. 7 moins 2 que Romain a ouverte. Qui est juste là. Exactement. Donc voilà, donc 7 moins les 2 que Romain a ouvert, je donnerais un chiffre de 5. Ok. Et en édition 1, tu sais si elle connaît. Alors là, édition 1, je pense que le jour où ça pop, c'est l'apocalypse. Ouais. déjà Genesis Eden, c'était incroyable, mais alors Destiny Eden, ouais, c'est une dinguerie. Mais en termes de probabilité, c'est certainement la display la plus probable qui risque de sortir en édition. Parce que si... Alors là, je sais qu'on est un petit peu en dehors de la population, mais c'est quand même très lié, la quantité d'éditions. Faut à peu près savoir que ça a duré 9 mois, pour Genesis, non-stop, entre la sortie de la version or et argent et la sortie de la série Discovery. Discovery, ça a duré à tout péter 3 mois. Vraiment à tout péter, parce que je crois que Révélation est sortie en mars 2002. Okay. Et à partir de là, ça a duré 6 mois. Puis il y a eu celle-ci, où ça a duré quasiment 1 an, parce que du côté américain, il y a eu la Legendary Collection. Et surtout, ils devaient changer complètement leur manière d'imprimer les cartes pour passer aux e-series. Ouais, et Destiny a été extrêmement, extrêmement imprimé. À l'époque où je reprends, c'est très intéressant, mais à l'époque où je reprends, en termes de rareté et de prix, il n'y a pas photo. C'est Genesis qui est le plus bas, puis suivi de très près par Destiny. Donc vraiment... En ce qui me concerne, j'ai quasiment eu 5 sets complets de Destiny édition 1 entre mes mains. Mm-hmm. Et j'ai acheté des Dracolos lumineux à 18 euros. Dracolos lumineux édition 1, 9, 18 euros. Je sais, aujourd'hui il y en a un qui s'est vendu 3005. Exactement. Donc en termes de quantité, il y avait ce qu'il y avait. Il y en avait vraiment pas mal. Et vraiment, bien plus rare, il y a Discovery, Révélation, Édition 1, qui pour le coup, ça a été des séries où on était à minimum x5 en termes de prix par rapport à du Genesis ou du Destiny. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est quasiment inversé, parce qu'il y a eu un stock important. Il y a eu un bon petit stock de Révélation, Édition 1 qui a sorti, donc les prix de des Révélations ont chuté, alors qu'il y a une énorme demande sur du Destiny Édition 1. Et quand je dis qu'il y a une énorme demande, c'est qu'il y a vraiment une énorme demande. Je sais. Ouais, moi-même, ouais. Je suis dans la demande. Je sais. Donc voilà, mais non, c'est une série sublime, Voltali lumineux. Enfin, il y a des cartes qui sont simplement communes, qui sont extraordinaires. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de demandes. Mais en termes de rareté ou de quantité imprimée, je pense qu'on est sur un coefficient minimum 3 en faveur de Genesis et Destiny par rapport à Révélation et Discovery. Ok, ça marche. Alors, on va passer du coup à Acropolis, qui est la série juste derrière Destiny en français. C'est Expédition. C'est Expédition, ok, d'abord. Expédition, pas du tout. D'accord, ok. Expédition d'abord, ensuite Acropolis. Bah, du coup, Expédition. Est-ce que tu as une idée de... La population ? Ouais. Il y a deux displays Expédition. Il y a deux displays Expédition, j'en ai acheté une, j'ai eu la chance d'en récupérer une en tout début de l'année.
En fait, c'était Teddy qui possédait les deux. Puis il me semble que c'est Romain qui possédait les deux. Et Romain en a lâché une que j'ai récupérée par la suite. Donc voilà. Donc l'expédition, c'est aussi extrêmement rare en display. Bah déjà, rien que deux, c'est. Pour moi, il n'y en a que deux. Pour moi, il n'y en a que deux. J'espère. En plus, je crois qu'elles viennent du Canada. Le truc improbable, Teddy, il avait un réseau de fou grâce à sa chaîne YouTube. C'était dingue. Et je crois que. Enfin, bref. Il s'est fait plaisir, à mon avis, Ouais. en récupérant ces deux displays. Enfin, tout à fait normal, quoi. J'aurais fait la même Bah, chose. totalement raison. Et du coup, Aquapolis, je pense Aquapolis, c'est compliqué. ouais, il Aquapolis, y a un c'est. stock. Je pense que pas la même Aquapolis. personne que celle-ci, parce Exactement. qu'on Aquapolis, a. c'est comme Destiny. Il y a un stock. On ne connaît pas la profondeur du stock. On sait juste qu'il y en a. La personne dont on parle en a au minimum vendu une petite dizaine. Le même chiffre, Une petite dizaine. Je pense qu'il y en a encore bien 5 qui sont scellés. bah t'es dit on en a au moins une, ça c'est sûr. Exactement. Romain en a aussi une. Enfin, Bah, Murcielago aussi peut-être. je pense pas que Murcielago. Enfin bref, mais peu importe. Mais en termes de quantité, on doit être encore sur du 5 en scellé. Et le stock, en fait, est dépendant de la profondeur. Enfin, la quantité est dépendante du stock, de la profondeur du stock que la personne en question possède. Et là, pour le moment, j'ai pas d'infos. Ça marche pas. Pas beaucoup en ont, je pense que cette personne n'a pas beaucoup qui sont partis chez lui. Exactement. Bah du coup c'est terminé pour cette partie-là. J'ai juste une dernière question. Ouais. Elle n'était pas affichée dans les questions que je t'ai envoyées. Mystère. La question c'est d'où te viennent toutes ces connaissances? Parce que d'où tu avances certains chiffres, etc. Alors, dans le monde de la collection du scellé, il y a beaucoup de choses enfin, il y a beaucoup de choses qui se sachent qui se savent. Et qui se savent. Mon Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se savent. Et en fait, on est assez peu nombreux à collectionner ce genre d'items. Donc quand une info sort quelque part, l'information circule très rapidement. J'ai aussi eu la chance de collectionner assez tôt finalement. Et donc D'avoir connaissance des de gros connaître collectionneurs. de très gros collectionneurs assez vite, assez rapidement, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette connaissance en tout cas en termes de display. Au niveau des quantités imprimées, il y a des sites qui sont très bien référencés pour ça, Poképédia par exemple, où il me semble qu'il y a une bonne partie des infos. Mais il y a aussi, et ça c'est très important, d'ailleurs j'en ai beaucoup discuté avec Murcielago, il y a des registres. Par exemple, chez un bureau de tabac ou chez un magasin qui vendait des cartes ou quoi que ce soit, on peut avoir accès, Au stock scellé. si vous connaissez évidemment les personnes qui tiennent le magasin, à ce qu'ils commandaient en fait auprès de la compagnie de Wizards, quoi. Et en ce qui me concerne, j'ai pu mettre la main sur non pas un mais deux registres de ma ville natale et où grosso modo. J'ai pu me rendre compte de ce que commandaient justement les vendeurs, hein, bureaux de tabac ou quoi, à l'époque, en fait, tout simplement. Parce que on est sur des années 1989, 2000, 2001, on n'est pas encore forcément sur de l'automatisé, on n'est pas sur des registres informatiques, on est sur du registre papier, et donc ce genre de documents, de temps en temps, quand on demande et quand on connaît les personnes, ils les retrouvent. Et voilà. Et donc ça, toute cette quantité éditée, en tout cas moi je remonte jusqu'à Destiny, j'ai une vague idée de ce qui se passait dans ma ville natale. Tu peux donner des chiffres ou pas du tout? Ben, en fait, c'est les chiffres que j'ai donnés. Typiquement, il y a à peu près eu 9 mois de Genesis, avec bien 6 mois, à mon avis, d'édition 1. Il y a eu quelque chose comme 3 mois de Discovery. D'après mes souvenirs, on est sur du 6 ou 7 semaines d'édition, hein, en termes de quantité, enfin de possibilité d'acheter Cet item, cet item en édition 1. Pour du révélation, l'intégralité de la série, il me semble que c'est du 6 mois.
à vérifier. Il me semble que Poképédia pourra renseigner ça mieux que moi. Et là, on est sur quelque chose de ridicule, on est sur du 6 semaines. Hein. Entre 4 à 6 semaines pour du révélation mission. Ce qui expliquait en fait à l'époque pourquoi il y avait si peu de cartes, même en 2013 à mon époque, où il y avait si peu de cartes révélation mission, c'était introuvable. D'accord, déjà Et même en 2013. même en 2013, j'en ai discuté avec des très très vieux collectionneurs que ça te dira peut-être rien, mais des gens comme Pijako, Mistyalore ou en fait Ligne du 83, donc Henri. Charizard. Exactement Charizard, qui ces gens-là, qui sont des plus vieux collectionneurs que moi, et qui sont tous de Pokécardex de base, cherchaient déjà activement ces séries Révélation et Discovery. Et ces gens-là possèdent aussi des quantités d'informations extraordinaires parce que ils ont la mémoire des galères qu'ils ont eues à trouver aussi leurs items. Nous, aujourd'hui, on parle avec quasiment sans recul, malheureusement, parce que on arrive tard. En fait, c'est le marché tel qu'il est aujourd'hui. Le marché tel qu'il est aujourd'hui, il y a une énorme demande de Destiny. Alors que, finalement, c'est clairement pas la plus rare de série. Et à l'époque où il n'y avait pas autant de demandes, à l'époque où, grosso modo, la quantité disponible était directement liée à la quantité imprimée, c'était vraiment Révélation et Discovery Edition qui étaient absolument fous à récupérer. Et Je suis voilà. bien content de l'avoir terminé. À Je part la confirme. Noctali. T'inquiète, ça viendra. Voilà, j'espère. Bah, du coup, voilà, on a terminé pour cette partie population. On va passer du coup aux questions de la communauté. Yes. Alors, la première qui est, as-tu gardé tous tes items jusqu'à maintenant pour les revendre en partie aujourd'hui? Non. Non, comme je l'ai dit, je collectionne par nostalgie et quasiment que par nostalgie. Pour le moment, parce que je fais le français, je fais le français, c'est des items qui me parlent, mais à un moment donné, il va bien falloir que j'arrête les conneries parce que je vais pas pouvoir me payer ça Tous les 4 tous les matins. 4 matins, ça c'est clair. Et actuellement, en termes d'investissement, il est bien plus intelligent de miser 20 000 euros sur de l'américain ou du japonais que sur du français, Ok. parce que c'est mon avis. Je pense que le français va atteindre un plafond qui ne sera pas en mesure de casser. Du Putain, on est fait déjà de. bien haut là. On est déjà très haut, mais je pense que on n'atteindra jamais les sommets japonais et américains, parce que la quantité imprimée est inférieure, mais aussi parce que la demande, en fait, c'est un marché niche, le français, finalement, est inférieure à ce qui fait américain et japonais. 2020, moi, c'est vraiment l'année du gros craquage, du craquage ultime. Ouais, c'est ce que tu en as Où, parlé. en termes d'investissement, je fais de la grosse merde, mais je me fais plaisir. Donc, tous les items que j'achète là, ça, l'expédition, j'aimerais bien, mais non. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai Ah, encore acheté ça, la ouais. Discovery, exactement. Ces items-là, je ne les revendrai pas. C'est quelque chose qui restera dans ma collection. Par contre, je sais que je ne me ferai jamais de plus-value dessus. À la fin de 2020, je me suis juré que j'arrêtais de faire de l'investissement entre guillemets à perte et que je partirais sur vraiment un investissement plus réfléchi, un investissement pour faire un peu de fric finalement, hein, faut pas se cacher. Et je vais certainement partir sur des items japonais, américains, qui là sont produits en quantité et où la courbe augmente beaucoup plus vite que le marché français. C'est ce que j'appelle l'overscaling. C'est-à-dire que si tu achètes un item. Bah, typiquement, j'ai acheté une Display Rocket édition 2 en début d'année, quelque chose comme en mars, si je ne dis pas de bêtises. Et je peux le dire, je l'ai payé 2 000 euros plus une Display Gym Challenge édition 1. À l'époque, la Display Gym Challenge édition 1 valait 5 000 euros à peu près. Donc, en gros, j'ai payé ma Rocket édition 2 7 000. Aujourd'hui, la Display Challenge édition 1, j'en rachète une pour 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette display-là, elle vaut. Enfin, Elle a pas augmenté ce que dans elle a 2 mois, ouais. quasiment pas augmenté. C'est-à-dire que si elle vaut 8 000 euros, Ouais, c'est que différemment, ouais. je suis très content aujourd'hui. Mais par contre, la display américaine, elle a piqué de ouf. Ce qui fait qu'en fait, une Display Rocket, si je devais
Enfin, si je devais avoir comme référentiel aujourd'hui, je lui aurais payé 12 000. Et c'est débile de faire ça. Voilà. Donc là, vraiment, cette année, c'est l'année du craquage français ultime. Je n'ai fait que des conneries, mais je me suis fait un kiff de ouf. Ouais. Et en fait, à l'avenir, oui, j'achèterai des choses probablement pour les revendre. Parce que... Il faut bien se nourrir. Non, mais c'est pas qu'il faut bien se nourrir, mais disons que... Faut avoir une approche aussi un peu pragmatique et se faire plaisir c'est bien mais réfléchir c'est aussi pas mal quoi, c'est tout. Ça marche. Du coup on va passer à la deuxième partie de cette question parce que c'est pas posé par la même personne. As-tu tiré toi-même toutes tes cartes? Oula. Pas du tout. Sont là. Je pense évidemment à ce fameux dragon feu brillant. Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai eu l'occasion d'en acheter beaucoup de ces cartes et de garder finalement les meilleurs. Il me semble que le Dracofeu Brillant édition 1 que je possède, c'est celui de Teddy que je lui ai trade il y a bien longtemps contre un autre Dracofeu Brillant édition 1 qui était en légèrement moins bon état, plus un tas de cartes incroyables. Je crois que c'est, il en avait fait d'ailleurs une réception spéciale, mais voilà. Donc le Dracofeu Brillant édition 1 que je possède, qui est noté PCA 9.5, donc je ne l'ai pas tiré, je l'ai trade et comme, je pense, une énorme partie des gens qui possèdent cette carte-là. Quelle évolution as-tu pu constater dans la manière de collectionner, la mise en relation des collectionneurs? Quand je débute, il n'y a pas tout ce qui est groupe Facebook ou tout ce qui est... il n'y a clairement aucun groupe Facebook qui existe pour la collection. Ouais, il y a quatre grandes plateformes quand je débute. Il y a eBay, qui est toujours là. Il y a Le Bon Coin, qui est là, mais sans être là, qui s'est un peu remplacé par Vinted, j'ai l'impression, en ce moment. Et il y a des forums qui s'appellent Poké Échange et Poké Cardex, qui sont en fait un espèce de repère de très vieux collectionneurs. Et quand je dis très vieux collectionneurs, c'était vraiment là où il fallait aller pour avoir des infos intéressantes sur tout ce qui était booster, display, etc., ou même sur les cartes, en fait. Donc, j'ai cité des noms avant, Pijako, Mistialor, ce genre de personnes. Tous ces gens-là viennent de PokéCardex, ça dit absolument plus rien à personne aujourd'hui. À personne, sauf aux anciens collectionneurs. Mais typiquement, ça passait avant tout par les forums. Maintenant, ça a évolué, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Parce que, autant sur un forum... Quand on discute avec quelqu'un, on discute souvent avec cette personne quasiment en manière privée, quasiment de manière privée, c'est-à-dire qu'on sait plus ou moins quelle est son opinion sur les choses, quelles sont ses connaissances, etc. Sur les groupes Facebook, c'est quelque chose d'ultra public, où les gens réagissent quasiment dans l'immédiat. Enfin, c'est quasiment immédiat. Et du coup, on peut ne pas du tout être compris parce que, la personne qui lit ou les personnes qui lisent le message, la majorité des personnes qui lisent le message, n'ont pas la connaissance ou de connaissances suffisamment profondes pour comprendre ce qu'on poste ou pourquoi tel prix, etc. etc. Je ne veux pas parler d'éducation, c'est une conversation que j'ai eue récemment avec un ami, mais c'est un peu ça en fait. L'éducation des gens qui collectionnent, c'est pas parce que ça fait depuis 2 ans que vous êtes sur le marché ou depuis 2018 que vous le collectionnez que vous savez beaucoup de choses en fait. Au contraire, même moi je considère que je ne connais pas grand chose comparé à d'autres personnes qui n'ont jamais été sur les groupes Facebook. Mais donc les groupes Facebook, c'est ce qui prédomine maintenant, très largement. C'est très bien pour vendre des petites cartes dont moi je me fous en fait, parce que j'ai accumulé des tas de conneries durant cette année de collection. Donc, et ça me fait plaisir en fait finalement de vendre des cartes dont je n'ai aucune utilité, que je mettrais des années à revendre sur eBay ou des années à revendre sur Le Bon Coin. Ça, Facebook, c'est vraiment génial. Mais c'est pour ça que je m'y suis mis aussi tardivement, c'est parce que finalement, il y a à boire et à manger. Il y a des petites histoires, il y a des tas de trucs.
truc. Donc, ça va, il y a des histoires. Voilà, et finalement, souvent pas pour grand chose, mais c'est comme ça. Voilà, et c'est tout. Une communauté, ouais. C'est une communauté, il y a des pour, des contre, et je trouve que les forums à l'époque étaient beaucoup plus sains. Ok, ça marche. C'est tout. Pourrais-tu revendre, si tu étais dans le besoin, ce fameux display? Je vendrais autre chose avant. Je vendrais beaucoup, beaucoup d'autres choses avant. Non, c'est très certainement un display, je vais pas être enterré avec, mais... Il y a des chances. Il y a des petites... Il y a une bonne probabilité. Non, en vrai, j'ai suffisamment accumulé de choses pour ne pas avoir à revendre ces displays si vraiment je suis dans le besoin. Et tout dépend de ce qu'on appelle le besoin. Ouais, si le besoin, c'est manger, hein, concrètement, oui, ben là, à un moment donné, il va falloir. Hein, mais si le besoin, c'est... Ben, j'ai envie de m'acheter une Tesla à 50 000 balles. Non. En fait, non. Voilà, c'est tout. Donc non, il y a besoin et besoin. Ouais, c'est pas précisé là. Non, c'est... Non. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, un prêt à rembourser, certes, mais pour le moment, je m'en sors plutôt pas trop mal. Et voilà, je ne me considère pas dans le besoin. Ok, ça marche. Tu parlais des groupes de Facebook tout à l'heure en disant que c'était beaucoup plus sain. Et toi, sur les groupes Facebook, comme tu as dit, tu t'appelles Vladimir. Ouais. Pourquoi cet anonymat? Pour raison perso et pro. Pro parce que je n'ai pas envie que mon employeur puisse m'identifier rapidement comme étant collectionneur de Pokémon ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on déconseille, en fait, concrètement. Hein, de plus en plus, les grandes entreprises scrutent les profils Facebook et les profils... Voilà, et donc, moi, quand on tombe sur mon nom, on ne trouve rien. Concrètement, on ne trouve rien, ou on doit peut-être trouver un truc, mais... J'ai pas trouvé. Plutôt en ce qui concerne mon taf, quoi. Donc jusque-là, tout va très bien. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment important de garder cette espèce d'anonymat entre vraiment différencier vie privée et vie publique, etc. Et ma passion. Je veux juste pas qu'on puisse tout de suite, immédiatement, dire « Ah ben voilà, il s'appelle tant, ben il fait ça dans sa vie, il fait ça dans sa vie, il fait ça dans sa vie, il fait ça dans sa vie. » Non, j'aime garder cette espèce d'anonymat et je trouve que c'est important. Voilà. Oui, c'est déjà une bonne raison. Et puis perso, non, je n'ai jamais été fan des groupes de Facebook de manière générale. Je me suis mis à Facebook en février 2020. Mm. En créant ce compte-là, et j'ai jamais été fan des réseaux sociaux, même si je sais que ça apporte des choses, malheureusement ça apporte des emmerdes, et non, j'ai pas envie de ça, en fait. Ça marche. Ok, génial. Il reste deux questions. Que penses-tu de PCA et des sociétés de gradation? Alors, toc. Exactement. Donc moi, en fait, j'ai des tas de trucs, hein, mais je vais en sortir que deux. Voilà. Donc moi, je collectionne uniquement le PSA pour l'américain et le PCA pour le français. Et ça, je fais ça exclusivement sur des autres. Je fais pas les rares, même si je me pose des questions. Voilà. Et en fait, je me suis trop fait avoir entre 2013 et 2016. Mais quand je me dis je me suis fait avoir, je ne suis pas le seul à m'être fait avoir. Hein. On est tous... Tous les anciens se sont vraiment fait berner par des gens qui cachaient ostensiblement, enfin de manière frauduleuse, en fait, les défauts que présentait leur carte, ou qui cachaient les points blancs à coups de stylo. Donc voilà. Donc en fait, j'ai eu l'occasion, il me semble en 2016, d'être au courant qu'une entreprise française de gradation allait être ouverte, et donc j'ai, avec quelques personnes, participé plus ou moins à la réflexion qu'il pouvait y avoir sur la mise en place des,
des standards de gradation. Alors je sais que les standards de gradation, ils ont beaucoup évolué. D'ailleurs, actuellement, je trouve qu'ils sont durs, mais même très durs, mais c'est une chose. Mais non, en fait, ma collection, je n'achète, sur les holographiques, je n'achète plus que du gradé, parce que j'ai perdu trop d'argent sur des cartes en loose pour des états qui ne me conviennent pas, ou des cartes qui avaient clairement des défauts qui n'était pas visible. Et ça m'a mis en rogne de ouf. Et vraiment des gros revendeurs peu scrupuleux. Hein, on en a discuté encore récemment sur les groupes Facebook, où vraiment, je suis pas le seul. On a retrouvé des tas de cartes avec des points bleus. Ou par exemple, aussi des micro-pliures qu'on voit quasiment jamais sur photo. Et donc le mec te vend la carte en loose, il te mentionne absolument pas la photo, enfin la pliure. Ça se voit pas sur la photo, tu reçois la carte, tu dis eh merde, ça moi je veux pas ça. Et le problème, la personne va te dire mais si, mais je t'ai envoyé la photo, tout était bon, tout était nickel, donc voilà, j'ai eu trop de problèmes là-dessus. Ouais. Je passe par PCA, je sais que ça peut ne pas convenir à des gens, je sais qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes aussi d'ailleurs chez PSA, hein. Je pense que j'ai eu à peu près 4 ou 5 cartes abîmées chez PCA, 4 ou 5 cartes PSA aussi abîmées. J'ai même eu une carte switchée chez PSA. C'est-à-dire que j'ai récupéré un Gyarados de Skyridge qui n'était pas le mien. Et bon, après, il y a d'autres petites histoires, mais par exemple, j'ai aussi. J'avais envoyé un Gyarados, mais le pattern holographique n'était plus le même. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que la carte a été échangée entre deux colis. Donc, c'est pas grave, je pense. Mon Gyarados devait mériter 10 à l'époque et j'avais récupéré un 9, quoi. Mais il y a des conneries faites dans toutes les sociétés de gradation. Le truc, c'est que ma collection passe par là. C'est pas que je suis en otage, hein, mais c'est que je donne beaucoup d'importance à ce qu'une personne, une tierce partie, exprime son avis objectif sur l'état d'une carte. C'est tout. Après, je peux acheter aussi du loose. Je peux acheter du loose. Mais par contre, il faut que je connaisse véritablement la personne. Qu'on ait les mêmes standards, entre guillemets, des standards qui finalement collent avec ceux de PCA ou de PSA, parce que c'est finalement les mêmes standards, quasiment les mêmes standards que je demande. Voilà. Donc je cherche du neuf, des cartes neuves, donc du PSA 10, PSA 9, mais bien strong, ou alors du PSA 9.5 et plus, quoi. Ok. J'ai une dernière question. Pourquoi es-tu si méchant en fait? Je suis pas méchant, je suis taquin parce que j'aime bien emmerder les gens. Hein. En vrai, c'est jamais. J'aime bien rire en fait. Non, sans déconner, c'est quand même plus drôle d'être méchant que d'être gentil. Oh, oui, j'apprécie beaucoup tes posts. Hein. Je sais que ça passe pas. Voilà, exactement. C'est quand même beaucoup plus drôle d'être méchant que d'être gentil. Je sais pas moi. C'est aussi de l'autodérision qu'il faut avoir. Hein. Mmh. Si on n'a pas d'autodérision, moi on peut me bâcher hein, parce que je suis alsaco, alsacien, parce que pour des tas de raisons. Tant que c'est fait dans les règles et tant que j'ai aussi le droit de répondre finalement et de balancer des saloperies, mais pas des saloperies méchantes, quoi, des saloperies taquines en fait. Voilà. Donc moi c'est plus comme ça que je vois les choses. Si les gens se sentent blessés, malheureusement, désolé. Mais non, faut plus voir ça comme taquinerie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Tortank, c'est quand même bien un Pokémon de merde, Cristiano. Désolé, hein. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. De rien. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que la communauté aussi apprendra pas mal de choses. Yes. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui a quand même beaucoup de connaissances sur le terrain. Et ça fait une personne de plus dans mon interview d'ex, tout simplement. L'interview d'ex, je retiens ça, c'est stylé. Non, j'aime beaucoup. Et voilà, donc n'hésitez pas du coup à... T'as quelque chose, un eBay, un Instagram que tu partages publiquement en rapport avec Pokémon. Oui, j'ai un Instagram. J'ai un Insta.
Je mettrai en lien, t'inquiète. Ouais, ok, bah voilà, parce que même moi je connais même plus l'adresse de mon Insta. De toute façon, je mettrai le lien en description. Il y a... Tu fais pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a des photos réception que. Yes, j'en fais de temps en temps. Voilà, exactement. Et puis nous, bah, on se retrouve du coup bah, sur le groupe Les Bargeaux, sur mon Discord, sur Instagram, etc. Et dernière info aussi, n'hésitez pas aussi à voir le site de Loïc Morette, c'est la personne qui est derrière la caméra, qui a fait un clip récemment où j'apparais dedans. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, bah, on se dit à une prochaine sur les groupes. On se dit à une prochaine. Bye. Tchuss.